Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Melis Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, une vidéo un peu chelou, je vous avoue. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. J'avais très envie de vous montrer ma collection de washi tape. Alors si, en fait, je sais pourquoi je veux faire ça. C'est parce que pour moi, le washi tape, c'est super important dans le diamond painting. Parce que c'est vraiment la finition du tableau, en fait. Hein. C'est avec ça, vous vous souvenez, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, c'est avec ça que j'encadre mes tableaux, pas tous, il y en a que je n'encadre pas, comme celui qui est derrière par exemple, quoique je le ferai peut-être plus tard, mais j'ai pas encore trouvé le washi tape qui irait bien, donc voilà, je le ferai plus tard. Donc en général je les vernis et puis je colle du washi tape. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le washi tape, je vais vous le montrer de toute façon. C'est du scotch coloré que vous pouvez juste coller autour de votre toile. Du coup je trouve ça fait un cadre vraiment pas cher et coloré, vous verrez, il y a plein de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais quand même vous mettre un petit bémol sur certaines choses parce que j'arrive plus à trouver un certain type de washi tape que j'aimais beaucoup et que j'ai acheté à Action. Ils sont super épais, donc là récemment on m'a dépanné d'un rouleau noir, deux personnes m'ont dépanné et je vais pouvoir finir mon tableau de la femme pop, vous savez, avec les cheveux violets et verts. Là, je vous ai peut-être pas encore montré la toile finie, du coup vous la verrez plus tard parce que je vais vous la montrer une fois qu'elle sera toute encadrée, voilà. Donc voilà, je trouve plus ces washi tape là de chez Action, j'appelle au don. Non, je plaisante bien évidemment, mais franchement j'aimerais trop qu'ils les remettent en vente, ça serait super. Ils sont vraiment épais et ça fait vraiment la taille d'un cadre autour, ils sont parfaits. Les washi tape que je trouve actuellement sont un peu trop fins et du coup je trouve que ça rend pas pareil. Mais bon, je les utilise quand même pour découper, si vous voulez, mes cases. Par exemple, quand c'est de la colle coulée, vous savez que le film protecteur est transparent. Donc hop, je colle du washi tape, comme ça ça me fait mes petites cases. Et après, avec un petit cutter exprès, je découpe la case qu'il me faut. Voilà. Assez papoté, on va regarder tout ce que j'ai. Alors, du coup, je vais vous montrer ceux-là. Ça, c'est ceux que j'aime les moins. Hop. Mais ils sont quand même pas mal. Je les utilise surtout pour délimiter, donc comme je vous disais, les cases sur mon DP, sur des DP qui ont des papiers protecteurs transparents. Je vais y arriver, hein, je trouve plus mes mots. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du bleu aussi. Ouais, je les ai pris pour ça, ceux-là. Ouais, j'avais pas l'intention de faire un cadre avec. De toute façon, comme je vous dis, ils sont vraiment fins. Hein, et si on y met autour d'une toile, enfin après ça dépend de la toile, hein, il y en a, ça pourrait aller en fait, hein, je pense. Hein. Oui, je pense qu'il y en a, ça pourrait passer largement. Mais bon. Voilà, bah du coup, au lieu de garder ces deux boîtes, hein, on va pas être bête, on va en garder qu'une. Donc il y a du bleu aussi. Après, j'aime bien les motifs quand même, ils sont sympas. Ils sont sympas, puis ils brillent et tout. Mais pas évident pour faire un cadre avec cela, je pense. On verra. Un jour peut-être. Ça va aller à la poubelle. Voilà. Alors, ça c'est pareil, j'en ai. Ça, je crois qu'on me l'a donné d'ailleurs. Très, très gentil. J'avais dû faire une commande sur Vinted ou quelque chose comme ça. On me l'a donné avec. Très très cool, très sympa, la petite dame. Ça c'est pareil, ça va avec cela je crois. Moi je sais pas, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai une bonne réserve et récemment en plus j'en ai racheté, c'est n'importe quoi. J'avais trouvé cela aussi à Action. J'ai l'impression, voilà, c'est marqué textile tape. Ils sont adhésifs je crois. Ouais, ouais, c'est du ruban adhésif, mais matière textile un peu. Donc je trouvais ça rigolo, je trouvais que les couleurs étaient sympas. Je me dis franchement, pour encadrer un DP, ça pourrait être très très bien. Je sais pas encore lequel je pourrais encadrer avec. J'aurais pu encadrer ma femme pop avec le rose là en fait. Ça aurait été super canon. Mais bon. Voilà. Je me suis dit je vais tester parce que j'aime. La matière m'intrigue. Donc j'avais pris cela. Donc chez Action. Oh, voilà. Principalement le washi tape, je l'achète chez Action, hein, ça c'est clair. Donc ça c'était un des premiers que j'avais acheté là-bas. J'avais craqué, je le trouvais trop beau, mais en fait je trouve que pour encadrer un DP, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que ça fait perle sur perle, quoi. Voilà. Mais il est quand même super beau, hein, je tiens à préciser, donc je le garde pour la collection. N'importe quoi, tiens, je retrouve un petit bout de papier protecteur. Là. Alors, je vais vous montrer, excuse-moi petite sirène, je vais vous montrer ce dont je vous parlais. Donc, ce sont ceux-là, donc merci beaucoup aux personnes qui m'ont dépanné. J'en avais un seul et malheureusement un seul ne suffisait pas pour faire le tour de ma femme pop.
enfin ne suffira pas, j'ai encore pas fait. Et du coup, voilà, donc on m'a dépanné ce rouleau-là, plus celui-ci. Et franchement, merci, parce que grâce à ça, je vais même avoir du rab. Franchement, c'est trop cool, quoi. Je suis trop contente parce que je les adore. Donc, vous voyez, le washi tape, là, il est vraiment épais. Moi, c'est ça que je veux. C'est pour pouvoir faire des vrais cadres, en fait, hein, des vrais encadrements. Je trouve que ça, à côté des petits comme ça, il n'y a pas photo, quoi, au niveau de la taille. Et ça rend vraiment, vraiment super bien. Si vous regardez un peu mes photos sur Instagram, vous verrez hein, que la plupart du temps, c'est ça que j'utilise. J'ai dû faire un cadre avec... voilà, j'en ai du rose comme ça, là. J'ai du rose comme ça, j'ai... attendez, je vais enlever ça, hop. J'en ai de plusieurs couleurs, hein. J'ai du rose comme ça. Ceux-là, ils sont beaux. Ils sont trop, trop beaux. En plus, ils sont super épais. Ils sont faciles à poser. Non, franchement, il n'y a pas à tortiller, comme on dit. J'en ai du gris aussi. J'en ai du bleu. Faut que j'en ai toutes les couleurs, en fait, de ça. Ah, mince, voilà, j'ai tout foutu du bordel. Voilà, j'ai une espèce de gris comme ça aussi qui est très beau. Je l'avais utilisé celui-ci pour encadrer, vous savez, mon DP Halloween là, avec la petite sorcière et les deux grosses citrouilles devant là, de chez Abedril Daman Painting. Et je trouve qu'il rend plutôt pas mal aussi le gris comme ça. Donc ça c'est très cool. Donc j'ai du bleu, j'ai du comme ça. Hop, j'essaye de récupérer un peu tout pour vous montrer. J'ai du bleu, j'ai du blanc. Voilà, et il me reste... Deux bleus, deux blancs, donc ça je pense que je pourrais faire au moins deux encadrements, un blanc, un bleu. J'ai du rab, j'ai du gris aussi, il me reste, donc ça c'est très cool. Et puis j'en ai trois roses comme ça. Trois roses comme ça. Mais ceux-là je les aime trop quoi en fait. Ils sont vraiment trop trop beaux. Alors, et mon chéri qui est rentré du travail. du coup ouais, je les adore trop. Mais je les trouve plus. Et ça, ça m'agace un tantinet. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je vais faire avec ma réserve qui me reste. Et puis je verrai. Peut-être qu'un jour, ils en remettront en vente. Hein. J'ai essayé de les chercher sur Internet en tapant la marque et tout. Mais rien. Je trouve rien. Je ne trouve nulle part. Donc vraiment, un grand merci de m'avoir dépanné, les filles. C'est vraiment, vraiment super cool. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai toutes ces collections-là maintenant chez Action. Ils font ces collections-là de washi tape. Donc avec des petits symboles comme ça, des petites paillettes et tout. Très sympa. Ça fait longtemps que je l'ai aussi celui-là. J'aime beaucoup. Il est très simple, j'aime bien. J'avais pris aussi ceux-là. Oh, ceux-là, je les trouve trop, trop mignons. Trop mignons. Et j'avais craqué dernièrement avec ceux-là. Oh, j'adore. Ils sont trop gourmands. Des petites parts de pizza, du soda et des burgers et tout. Ils sont trop mignons, j'adore. Ouais, ceux-là, j'ai trouvé vraiment beau. J'en ai pris deux, du coup. voilà, ça fait un bon gros bordel, on est d'accord. Et récemment, je me suis dit, bon, il faut que je recherche, du coup, des washi tape un peu plus épais. Donc, je me suis mis à regarder un peu sur Internet, sur AliExpress, bien sûr, c'est un peu ma bible. Je me suis dit, je vais chercher, je vais voir si je peux trouver mon bonheur. Donc, j'ai commandé plein de washi tape. Parce que franchement, c'est tellement pas cher que voilà, j'ai même pas dû en avoir pour 10 euros, je crois, au total. Et je me suis dit, je vais bien trouver quelque chose d'équivalent à ceux de chez Action. Bon, pas du tout. J'ai pas du tout trouvé. Mais j'ai quand même trouvé des jolies petites choses. Donc ça, c'est quand même cool. Comment ça s'ouvre? Donc, je l'avais pas ouvert, celui-là. Ah oui, je l'avais regardé à travers. Très bien. Voilà. Ah non, il faut ouvrir de l'autre côté aussi. Ah bon, autant pour moi. Ah bah, dis donc. Hop. Voilà. Oh, regardez. Non, mais ils sont pas magnifiques, franchement. Je les trouve trop, trop beaux, quoi. Ils sont sublimes. Ils sont tout doux. Je les avais pas regardés de près, donc voilà. Et donc, c'est très cosmos, très... très horoscope. Très... J'aime bien. Donc voilà, j'ai trouvé beau, mais vous voyez, encore une fois, ils sont de taille standard en fait. Hein. Je pense que c'est ça la taille standard du washi tape. On les trouve plus que comme ça, et voilà quoi, c'est la taille standard. C'est pas grave en soi, hein, mais ça me déçoit parce que je vais plus pouvoir faire mes cadres comme je voulais à la base, donc voilà, ça m'ennuie un peu, mais c'est pas grave. On va s'en remettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Ça ne fait aucun sens. Donc oui, bah du coup, j'avais trouvé celui-là. Alors celui-là,
Ouais, je l'imaginais beaucoup plus joli en vrai. Enfin, en photo, il était beaucoup plus beau, quoi. Voilà. Et du coup, un peu déçu, mais bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc là, il y en a un qui est un petit peu plus épais. Et je mets des cheveux partout. Celui-là, il est un petit peu plus épais que les deux autres. Ma foi, soit. Bon, il ressemble un peu au premier. Ensuite, j'ai pris. Voilà, celui-là. Donc celui-là, on est d'accord, ça sera juste pour délimiter mes cases hein, sur le papier protecteur transparent. Hein. Non, on est d'accord. Donc j'en ai un, deux, trois et quatre. Oui. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà, des petites licornes. Elles sont trop belles. Elles sont très choupinou-choupinettes. Je les aime beaucoup. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout ce que j'ai? Mais si, il me semblait que j'en avais commandé d'autres. Ah oui! Oh, ils sont là. Voilà. Alors, ceux-là, j'ai craqué. Ils étaient vraiment trop, trop beaux. Donc, ceux-là, c'est ceux qui ressortent le moins. Alors que sur Internet, je trouvais qu'ils étaient beaux. On dirait vraiment du scotch normal. Mais en fait, non, ils ont un petit effet aurore boréale qui est très, très sympathique. J'adore. Donc, là, j'en ai deux. Voilà. Ils sont trop, trop canons. Et j'ai des roses et des violets. Voilà. Et ça se remarque plus sur le violet, du coup, qui fait un peu vert. Et le rose, oh là là, mais ils sont trop beaux ceux-là. Donc j'ai pris trois de chaque et je pense que ceux-là j'en recommanderais parce que ils sont bien. Et je pense que pour faire un cadre, ça doit le faire largement. Donc voilà. Donc j'avais commandé tout ça. J'ai tout reçu quasiment en même temps. Donc j'ai même pas fait d'unboxing pour ça. C'était pas très très utile. Mais je me suis dit voilà, que je vous ferai une vidéo et je vous montrerai le tout avec toute ma collection, en sachant que du coup je les utilise. Pas tout le temps hein, mais c'est quand même pour moi un objet un peu indispensable pour faire du DP. Bon, on a mis un peu le nez dans mes placards hein, vous voyez. Je vous remonte quand même ces petites boîtes parce que je trouve qu'ils sont très très beaux quoi. Voilà, et donc voilà, on a juste fait le tour vite fait de mes washi tape. J'avais envie de vous montrer tout ça. Je sais pas, est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que du coup ça vous donne envie de tenter? Pourquoi pas, hein? Peut-être vous ai-je donné une idée, après tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite encore une fois à aller sur mes réseaux sociaux, les autres, Instagram, TikTok. Alors, TikTok, c'est vrai que je ne mets pas très beaucoup à jour, mais c'est pas grave, il y a des choses intéressantes quand même. Et puis, n'hésitez pas à me dire votre ressenti du coup sur le washi tape, à me dire éventuellement. Ou vous avez trouvé peut-être du washi tape épais comme ça, là, comme j'aime. Hein. Si vous savez où en trouver, je suis preneuse. Donnez-moi vos infos. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt, mes petits licornes, plein de bisous arc-en-ciel. Bisous, bisous.